of both. Instead, my arms overflowing. Look at, come, look at me. Sitting sun, touch me. Receive me. Is over. Your prayers just as you would have silence. Lift up your chin. Don't shift your eyes. Speak to me. Look at me. Yes, I'm she. Your very own. Receive me. I'm your first love. Here I am. I have brought my arms overflowing. Come, look at me. The setting sun. Touch me. Calcutta. My newborn. Receive me. In your waiting arms. Speak to me. Yes, I am she. Your whole flame. Your word of patience. Your very own. Thank you.
trying to be born. Thank you.
essaim de vigueur pour le combat. Tu me fais plier, tu fais plier sous moi les agresseurs. De mes ennemis, tu me livres la nuque et j'extermine mes adversaires. Ils crient, mais nul ne secourt. Ils crient vers le Seigneur, mais il ne répond pas. J'en fais de la poussière pour le vent. Je les balais comme la boue des rues. Tu me libères des séditions du peuple. Tu me places à la tête des nations. Un peuple d'inconnus se met à mon service. Au premier mot, ils m'obéissent. Des étrangers deviennent mes courtisans. Des étrangers s'effondrent. Ils évacuent leurs bastions. Vive le Seigneur. Béni soit mon roc. Qu'il triomphe. Le Dieu de ma victoire. Ce Dieu m'accorde la revanche et me soumet des peuples. Tu me libères de mes ennemis. Bien plus, tu me fais triompher de mes agresseurs et tu me délivres d'hommes violents. Aussi, je te rends grâce parmi les nations, Seigneur, et je chanterai en l'honneur de ton nom. Il donne de grandes victoires à son roi. Il agit avec fidélité envers son Messie, envers David et sa dynastie pour toujours. Allô? Philippe, c'est toi? Oui, bonsoir Philippe. Écoute, je voulais juste te raconter l'histoire de la légende. Un extrait de la nouvelle de Thomas Mann, la légende indienne. Donc écoute, c'est l'histoire de Shredaman et Nanda. Donc ça raconte l'esprit le conflit entre l'esprit et le corps. Donc il y a l'intellectuel Shredaman et Nanda, le beau ténébreux. Shredaman étant marié à Sita et Nanda est leur ami d'enfance. Ils se rendent au temple de Kali un jour et Kali leur apparaît et leur demande de se décapiter la tête. Ils s'exécutent et quand Sita arrive et demande à Kali pourquoi tant d'horreur, elle dit « Je suis d'accord, je leur donnerai vie, mais à toi de remettre les têtes en place. » Et elle remet les têtes en place et la déesse Kali leur donne vie. Mais au moment où elle a redonné vie, Sita se rend compte qu'il y a eu confusion entre les têtes. Donc elle ne sait plus qui est son mari et qui est Nanda. Et elle confesse en même temps à la déesse Kali qu'elle est amoureuse aussi de Nanda, son amie d'enfance, pour son physique et qu'elle aime son mari, pour son esprit. Donc voilà. C'est bon pour toi, pour l'histoire? Ça te va? Ok. Au revoir, Philippe.
façon banane avait dit, allez manger pour un rote de ton banane, personne ne va trouver banane. Ore urla, ore raja, ore rani. Love. Yes, they are so Victoria. Enfin, mon jeune, font la mienne là-bas, non? Quand l'autre la partie là-bas, la cachette, la pas trop rire. Victoria, dans un an, hein? Je ne suis là. Mais tu m'as regardé pour rien, quand il y a une année, tu sais. Je suis là, non? T'en es pour ramasser moi, il y a une chose. L'autre jour, il est parti à poste, quand il arrive la poste là-bas, il y avait un tas de monde, du coup, il arrête. Adi, à où ça? Qui ça, Joe, vient là? Allez, saute là! Saute là! Innocent, Nikunja, Nikunja. Pourquoi ça, c'est de la purée? Il y a un petit coup, comme ça. Tu panier, mon, tu panier. Un, deux, trois, nous irons. Ah oui, mais tu as autant, oui, c'est vrai, hein. Ah. Oui, c'est vrai, oui. C'est mon dieu, le cadet, elle a envie de prendre la langue. Quickly, quickly, quickly. Je suis cool, là, c'est le débat. L'enforme, hein. Allez, tiens pour le corps. Cause un peu dans les oreilles, non. Hein? Bon, allez.